Dans cette phase de préparation, j'utilise du scotch bleu. C'est un scotch qui est transparent, qui est hyper efficace au niveau de la protection. Ciseaux, deux types de cutter différents, un marqueur. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une petite étoile, j'ai fait des modèles, je les ai découpés et je les ai collés à l'intérieur de la carreau aussi, voilà, sur le papier en couleur, parce qu'après ça va faire des pochoirs et après on enlèvera tout. J'avais des cache-vitres que j'ai positionnés également. Et là, je suis en train de voir pour faire des caches, pour faire les bandes rouges et blanches. Donc, il y aura un dégradé bleu sur l'avant, les bandes rouges et blanches, et à la fin, le blanc pour que les étoiles ressortent en blanc, bien sûr. Voilà. Donc, je m'inspire un peu de ce modèle-là, qui me plaît pas mal. Alors, ça sera moins bien fini, mais par contre, c'est dans l'esprit drapeau US. Là, on a fait le bleu et le blanc. On a reprotégé pour faire le rouge, faire les bandes. Donc, on va utiliser la PS34 pour faire les bandes rouges. Et on repassera à la fin un coup de blanc. Il faut que j'enlève encore tous les films à l'intérieur. Donc ça s'enlève assez facilement. Hein. Il faudra que je laisse simplement
les fenêtres, c'est tout. Finition au blanc. Alors là, on va attaquer la phase finale, l'enlèvement des pochoirs de vitre. Bon, il y aura peut-être des petites imperfections qu'on retouchera, bien sûr. Tout a été fait à la main. La vitre à l'avant. Donc déjà, pas trop mal. On va retourner. Donc maintenant, il reste encore le film protecteur extérieur qui s'enlève bien évidemment quand il n'y a absolument plus rien à faire au niveau de la peinture, hein, au niveau des bombes. Donc là ça va être le cas, donc on va l'enlever et on aura le résultat final avant pose de sticker évidemment. Voilà. Donc on va pouvoir admirer en détail la finition. Là, il y avait un petit dégradé sur la pointe bleue ici, hein, c'est volontaire. Donc là, il y a la finition du drapeau, hein, donc c'est très rectiligne. Là, on a reproduit aussi le petit dégradé bleu et blanc. Et sur la partie avant, les étoiles ressortent assez bien. Plutôt content du résultat. Voilà, nous avons terminé de poser les stickers. Je vais vous montrer plus en détail la finition de la peinture. Voilà. La carrosserie est maintenant terminée. À très bientôt les amis. Ciao !